Quand je serai grand, je serai fleuriste. Je ferai plein de bouquets de fleurs. Des très gros, des tout petits, des bouquets tout blancs ou tout roses. Et je vendrai des arbres aussi. Des arbres fruitiers. Parce que c'est bon, les fruits. Ou alors, je serai marchand et je vendrai les fruits. Des pommes, des poires, des abricots. Et je vendrai mes bouquets avec. Bien rangés, du plus petit au plus grand. Tu veux installer tes bouquets par ordre croissant? Mais comment vas-tu faire pour les ranger dans l'ordre? Déjà, je vais ranger le plus petit. Ça débarrassera un peu. Le plus petit de tous, c'est le 6. Il n'a qu'un chiffre, on le repère vite. Celui-là, on ne s'en occupe plus. Maintenant, il faut trouver celui qui se range juste après le 6. Je cherche le plus petit chiffre des dizaines. C'est le 1. On peut ranger le bouquet de 15 fleurs. Comme ça, il n'y a plus qu'à comparer les bouquets qui restent. Quel est le plus petit maintenant? Ces deux-là ont le même chiffre des dizaines. Alors, on regarde le chiffre des unités. Entre 8 et 3, le plus petit, c'est le 3. Le bouquet suivant a 23 fleurs. 23, c'est plus petit que 28. On peut ranger ces deux-là par ordre croissant. Il ne reste plus que le 35. Et voilà! Je n'ai plus qu'à vendre mes bouquets maintenant. Plus ils seront gros, plus ils seront chers. On fait pareil pour les fruits? Comme ça, tu pourras faire tes prix. Pour les fruits, on va ranger dans l'autre sens. Du plus grand au plus petit. D'accord! Par ordre décroissant maintenant. Pour ranger une liste de nombres, il faut choisir un sens de rangement. Puis on cherche le premier, on l'élimine de la liste et on recommence. Oh là là! Et si je vends des petits pois, je vais être obligée de les compter un à un? Si tu comptes les fruits pour faire tes prix, il vaut mieux vendre des pastèques!